Monsieur le Président, Madame la députée Erika Barrès, vous évoquez deux sujets d'importance pour votre territoire et vous connaissez notre attachement à votre territoire. L'année 2018 a été l'aboutissement du livre blanc sur les Outre-mer et ce livre blanc nous oblige, nous le gouvernement. Et dans ce livre blanc, il y avait évidemment des mesures liées à la lutte contre les inégalités. Ces mesures ont été déclinées dans la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, avec notamment des mesures dédiées aux Outre-mer. Et vous le savez, j'ai le plaisir de l'annoncer devant la représentation nationale, l'île de la Réunion a été retenue comme territoire démonstrateur de la stratégie de lutte contre la pauvreté, ce qui veut dire qu'une contractualisation a lieu entre le département et le ministère pour travailler avec vous sur les indicateurs de lutte contre la pauvreté, que ce soit des indicateurs d'insertion ou des indicateurs dédiés à l'égalité des chances dans la petite enfance. Entre-temps, Madame la ministre est venue faire ses annonces au mois de novembre avec le délégué interministériel, expliquant que la Réunion allait rejoindre effectivement les ressources, ou en tous les cas les annonces de ressources de la métropole. Nous travaillons aujourd'hui à cette mise en œuvre pour l'année 2019 pour que les engagements soient tenus. Par ailleurs, vous m'évoquez le problème de la dengue, qui est un problème récurrent et un problème de très grande attention du ministère et de notre système de sécurité sanitaire. Nous savions par la modélisation que l'épidémie de dengue allait reprendre lors de cette saison. Effectivement, le nombre de cas s'accumule, notamment dans le sud de l'île. Et nous allons donc renforcer la lutte antivectorielle en renforçant les moyens de l'Agence régionale de santé, du SDIS, du RSMA, de façon à aider la population à éradiquer aujourd'hui les moustiques. Il faut aussi que la population participe en limitant les points d'eau et en utilisant évidemment les répulsifs qui sont recommandés. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Serène Mauborgne.